Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, la météo poker est pas top. Elle est vraiment pas top. Ah merde, faut changer un truc dans les options là, que j'ai oublié. Ce qui m'a reset les options, je sais pas pourquoi. Attends, en plus, ça a l'auto-switch table alors que. Enfin bon, bref. Announcement, bloc, non, bloc, pop-up on chat, voilà. Action required. Ah, c'est là-haut. 10 et 9, on va check. 5 et 4. Ah, il s'est passé quoi la main d'avant là? Roi 10 contre As 2. Bon, d'accord, on ne sait pas trop comment ça s'est passé. On va relancer. 10 et 9, on va check. On a toujours un tirage, un As ou un 6. Ouais, on va miser quand même. Et ça passe. Et ça passe aussi ici. On est pas mal, hein. Paire plus tirage couleur, c'est pas mal. On va miser fort. Ça passe. Dame 9, c'est trop faible. On va check. J'aime pas son call. J'aurais presque envie de payer, mais bon. Oh là 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 là, ça met tapis à tout va chez Grimby, c'est la merde. C'est trop backdoor. Hein. Attends, tu mets tapis et Grimby, on va te mettre tapis aussi. Hein. Ça, il s'y attendait pas, hein, Grimby. Hein. Alors, je perds un peu de V là, mais. Comme de toute façon, ça va être une calling station post-flop, il doit être ingérable. Tirage couleur, on la board est pairée, donc si mes tapis à 180, on est obligé de payer. Voilà. Et il se couche. As-10. Allez, on est parti. Ah non, on n'est pas parti. Le disque qui change rien. Non, non. Coin flip. Mal engagé. On fait deux paires, quatre dames, kicker as. Donc ça c'est cool. On va check. Ah putain. Ces mecs qui donc bêtent quand ils ont quelque chose, c'est. Ouais, ça file, hein, ça va vite. Valet 2, on se couche, hein, évidemment. As-3, bah, espérer,
S'il pouvait s'exciter un peu, ça serait cool. Voilà, merci. Et là, As-Roi aussi. Ça partage. Valet 9, je vais me contenter de payer. Roi 6, il met tapis, je peux pas payer. Valet 9, je check encore. Il mise fort en plus. Hein. Ok, on a le même tapis là, égalité. Égalité parfaite. On a touché notre as. Faut remarquer que j'ai juste complété, enfin j'ai juste payé sa relance. Là, je vais lui mettre tapis. J'aurais peut-être pu me contenter de payer, mais sur un malentendu, il touchait quelque chose. J'avais envie qu'il paye, qu'il me croie pas et qu'il me paye avec moins bien. Ça, c'est mon kiff, ça. Allez, hop. Là, je paye. Je surfe sur la main d'avant, en fait. Bon, là, c'est mal en... Yes, il fallait... Ouais. Ok. 8 et 9, 15 blindes, c'est chaud. Ouais, on va rester à 10 pour le moment, tant qu'on peut pas repasser à 25 tranquillement. Parce que là, c'est la merde. C'est la merde. Ajax, il a 13 blindes. 13 blindes, c'est un peu beaucoup envoyé avec Roi 6. Ah, il paye avec Père 9, normal bien sûr, mais oh, il touche direct son 9. Il fait full. Bon. Ouais, non, Roi 6, je pouvais essayer de limp plutôt. Ah, on est bien. 4-2, il relance, je me couche et 11 blindes. Voilà, on a un pote bête, on met tapis. Hein. Ah, il me paye As-Valet, merde. Oh là là. Oh, c'est dégueulasse. Oh, et tu sais qu'on est devant, hein, tirage couleur, 2 over. Enfin, là, on était devant avec notre Roi Dame sur son As-Valet. Son call, c'est un truc de fou, quoi. C'est un call de mutant. Hein. Et c'est surtout qu'il gagne, parce que moi, j'aurais préféré qu'il touche un As de trèfle. Hein. Il n'avait pas de trèfle, mec. Ah, c'est drôle, ça. Ok. On a 15 blindes. Ah merde, allez du jeu. Ouais, je peux pas le faire à chaque fois. Un 6 peut-être. Un cœur. Un valet, c'est bien aussi. Allez, il a 8 blindes. On a qu'un de flopé. Il y a les carreaux qui font chier quand même. On va quand même envoyer. Ouais, bon bah voilà, c'est parti. Oh non! Comment il fait le mec? Pour avoir la chatte de sa vie, j'ai la quinte flopée quoi. Mec, il dit bouffon. Putain, j'ai la quinte flopée quoi. Le mec, il turn la couleur. Il peut me payer avec tellement d'autres mains que... Dame 5, il a 8 blindes. C'est juste. Hein. Voilà, les 4-7. Ça, c'est un peu abusé, mais bon. Comme il est un peu serré. J5, c'est mort. J2, je vais juste limp. Ouais. Ok, il a 7 blindes et demi toujours. 7 blindes. Ah. Vie blinde. Sept blindes, non même pas, 6 blindes, même pas, 5 blindes et demi, 5 blindes. Quatre blindes. Il va peut-être falloir qu'il se décide à un moment donné.
Ok, il pouvait gagner avec un 5 encore, là, qui m'aurait vraiment mis en PLS. Bon, on a la ventrale, hein. Le 10 nous donne... Le 10 nous donne la quinte. Un peu cher, mais bon. Ouais, ouais. Il se trouve, il nous a chassé, ça se trouve, il n'avait rien, mais bon... Genre sur une board comme ça, il a quand même souvent quelque chose. Faut quand même pas déconner, une hauteur valet, c'est rarement gagnant là-dessus, mais bon. Je trouve qu'il faisait ça avec un 10. Hein. Vu mon tapis, je vais mettre 90. Malheureusement, je suis payé. Du coup, là, je vais pouvoir mettre 130. Voilà. Et voilà, ça passe. Il fallait vraiment qu'il me voie sur l'as. Hein. Ouais, bon là je vais miser. On ne sait jamais, des fois que personne n'est rien. Ah, il y a un mec qui avait un 10. Il y a un mec qui a un 10. Ok. Allez, 9-3. Putain, la main de racaille. Ouais, je la bluffe pas. Ah putain. C'est cher, hein, c'est cher. Hors position, dame 10. Non, je vais la coucher en fait. Pas envie de lui donner des jetons. Ou de m'engager contre. Putain, il est relou, hein. Voilà, on a deux paires floppées, double paire. Là, il a tapis en plus, donc c'est good. Et là, la paire d'as, pas de 3, s'il vous plaît. Pas d'as, pas de 7. Ok. Ouais, bah là, il avait du jeu, il avait du beau jeu. J'ai décidé de payer en position. J'ai chaté mon flop. Et après, bah, ce sont les cartes qui ont parlé. Ça s'est joué tout seul, un peu, là. L'overbet est pas top, hein. Ah merde. Ah non, l'overbet, je le sentais moyen. Du coup, je suis allé jusqu'au bout de mon délire, mais c'était pas bon. Là, on va être obligé de pousser des mains vraiment médiocres. Parce qu'on s'est mis tout seul dedans, comme on dit. Je vais même payer hors position avec des mains. Merde. Ça, c'est pas cool, par contre. Ah, je peux pas payer hors position avec 6 et 7. Ah putain. Ça fait 120 d'argent mort. Il me reste 150 derrière. Allez hop, c'est parti. Ah oui, bah, les 4, les 6, les 7. Les 4, on fait la quinte. On était parti pour ça à la base. Hein. Là, j'ai un peu la quinte. Donc, si tu veux, je vais lui mettre tapis dans la bouche. Oh, il se couche. Bon. Le mec, il est dégoûté. Allez, on paye dame 10. Allez, as 2. On est pas mal. Pour le moment, on est pas mal. On est bien. Ah, c'est dommage qu'il m'ait pas payé quand j'avais ma quinte, là, mais... Ah, il doit être un peu vexé, le mec. La classe, je suis derrière. Quand je paye avec 6 et 7, je sais que je suis derrière. Il est con, j'attends juste un flop comme ça pour y aller, quoi. Mais bon. Waouh! Ah, fait chier. Ah ouais, d'accord, Brelan 4. Oh, je faisais quinte river, putain! Oh la vache! Ah la vache! Putain, j'aurais presque pu avec mon As 2. J'avais As 2, ouais, c'est ça. Si j'avais mis tapis préflop, je me serais retrouvé derrière, mais en même temps.
Il m'a payé, je check. Il a la quinte flopée et le tirage couleur. Ouais, bon. Bon, je pouvais pas faire grand-chose, hein, honnêtement. Je pouvais pas faire grand-chose. Je suis un peu déçu. Ça m'envoie. On va limp dame 2. Protéger un peu notre range de limp avec des mains avec au moins une Broadway dedans. Bon. C'est raté. Mec s'appelle Jean Raz. Moi je vais payer une street quand même avec madame parce que. Ouais, là par contre il envoie un peu fort. Hein. Oh, les relous! J'aurais pu check aussi là. Putain! On sait qu'on va check, hein, bien sûr, sur cette board là, mais. Et là, on va encore check. Je tiens pas à bluffer. Bon là, l'as, là c'est la merde, je check. Il gagne hauteur valet, bon très bien. Oh là là, il fait la quinte. 3 et 5. Bon, bah, s'il a le roi, c'est la merde. Je mets 90 préflop. Hein. Je mets 90 préflop, quoi. Souvent le roi ici. Hein. Ah, il a le valet, putain. Okay. Ouais, mon dernier call, c'est un peu un call de frustration. C'est un peu le signe du tilt. Tu te mets à faire des calls comme ça. Oh. Tu te dis que le mec il est en bluff et que ton 3 il est potentiellement encore valable. De toute façon, t'as tellement engagé de jetons que tu peux plus reculer. T'as une cote, blabla. Après, il me reste des outs, hein, mais bon. C'est pas comme ça qu'il faut jouer, quoi. C'est pareil là, je paye avec un tirage ventral, c'est n'importe quoi. À un moment donné, si tu veux que ça marche,
Faut envoyer, faut pas se mettre à payer 3 streets pour toucher une ventrale, c'est ridicule. Là, c'est comme si je lui avais donné 140 jetons. Il fait chier, là. Les 6 et les 10, enfin, surtout les 6. Ah, putain! J'aurais dû relancer au flop. Quand il mettait son 20, là, j'aurais dû relancer au flop. Il paye tout, hein. Je me fais déboîter. Je me fais déboîter. L'autre avec 5 et 6 qui me pète mon As-9 qui paye 90. Là, 5 et 6 quoi. Off. Le mec il va toucher. Putain, sérieux, il a touché un 4? Putain, qu'est-ce que je donnerais pour voir ces cartes à ce mec-là? On a toujours 20 blindes. On ne tirage qu'un de ventrale. Voilà, par contre, on va miser. J'en ai marre de ces conneries. Ça va bien, hein, ces bluffs à la con là. Moi que c'est bien, hein, s'il me donne 30 jetons en plus à chaque fois avant de folder. Ouais, là je joue mon ravalet passivement, mais bon, j'ai pas de carreau alors, de toute façon. C'était plus l'objectif de le piéger. Et là, il mise 60. Il teste à chaque fois, tu sais, une mise différente. Voilà, le 3 me donne la quinte. Le valet, c'est pas cool. Et là, il a muck, ça veut dire qu'il a check. Il avait quoi? As 4. Ah, il avait touché son 4. Roi 10. Bon, je vais pas payer Roi 10. Je pense que j'ai un petit edge sur lui post-flop, j'ai l'impression, là. On est bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On va le relancer gentiment. Pas énorme. On va mettre moins. Et voilà. Et ah, il joue encore les rois et les 6 pour faire full, mais bon. Il y avait deux paires roi 6. Donc forcément. C'est la crise. Oh, 60 balles. Ah, dis donc. Est-ce qu'il aurait le valet? Oh putain, on a full. Oh, il était en bluff. Il a pas osé bluffer. Il aurait presque pu me chasser hein, en mettant tapis. J'aurais presque pu fold mon full du bas. Mais ça aurait été quand même un peu nitty. Un peu serré. Grimby fier de son Platinum Star. On va check. On a deux paires. Et il y avait Roi 5 qui double contre ma paire de 3. Il a touché un roi. C'est dommage.
Et là, il s'est couché. Voilà, on va miser, hein. Il n'y a pas de raison de pas miser. Ah, As-3, c'est toujours très bon, As-3, j'aime bien, moi. Il y avait Dame 5 contre As-6. Ah oui, d'accord. Paire de 10, As-3, bien sûr, on est à tapis. Paire de 2. Waouh, on est mal. On est très 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 mal. Ah oui, voilà, le 3 peut-être. Ah, il restait plus que le 3 et pas le 3 de carreau. Il a gagné son coin flip. Allez, paire de 10. Ah, on est mieux, on a 80-20. Ok, c'est cool. On fait 2 paires 10 et 9, kicker dame. C'est cool. Là, on va limp. Voilà, on met tapis, hein, de toute façon. Il me paye dame 9. On a l'as. Bon, faudrait que ça tienne. Ça serait bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. Il pouvait toujours toucher un 3. Le hard to bet, mais était tellement tout petit que. Ok. Donc là, on va miser sur notre ventrale quinte. Un valet de carreau serait bien. Un 6 maintenant serait bien. Et le valet. Allez hop. Ah, il a la couleur! Oh merde! Oh, j'espère que notre as-dame va tenir. Ça serait un x3, ça serait pas mal. Oh la vache. Fais le fold, fais le fold, fais le fold, fold, Grimby, fold, fold, fold. Voilà, pas droit maintenant. Pas droit, pas de valet. Ok, on double. Enfin, on fait même x3 parce qu'on était tout petit, tout petit, tout petit. Ah non, va falloir gérer, hein. 5 x 3, 15, on a 5 blindes. Putain, on a 6 blindes. Est-ce que je tente le triple up de la survie? Non, je vais quand même. Oh non, non, c'est tellement improbable. Oh, est-ce que je tente le triple up de la survie? Je dis non, bim, t'as 2 paires max. Ah là 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 là. Oh là là, après il y a un mec à 6 et 7, bon. Ou 6 et 4. Ah non, putain. Oh là là. Oh là 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 là, c'est ouf. Il y avait quoi l'autre à côté, le Mondo J8. Oh là 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 là, putain. Dame 7. Ah bah oui, Dame 7, bien sûr que t'envoies tapis, t'as 4 blindes, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, ils sont couchés. Bon, j'ai 6 blindes. J'ai 6 blindes. C'est impayable, 3 et 5. 9 et 4, la charentonnaise. Bon, bah vas-y, hein. De toute façon, honneur à la charentonnaise, c'est vraiment pas une bonne main, mais bon. As-Valet. Allez, on est parti. Roi 8. Bon. Ah merde. Paire de 3. Allez, paire de 3. As-5. On verra. On verra. Ok, putain, le 6 lui donnait la quinte. Le 9, c'était cool.
Il me faut un 3 d'urgence. Putain de merde! Est-ce que j'abandonne le coup ou pas? Il check tout du long. Yes. On n'avait évidemment pas la meilleure main avec 5 et 4 ici. Hein. Il a 15 blindes. Et là, roi 6, il craque. Il craque. Il a craqué. On a failli la perdre celle-là. 9 et 10. Non, on paye pas 20 blindes. Pas tout à fait, mais avec 9 et 10. On va lim 3-2. La couleur tout à l'heure, j'ai tellement pas fait gaffe que j'avais. Enfin, j'ai tellement vu mon valet, j'ai dit j'ai la quinte, j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait la couleur, quoi. Ah putain, il donc bête à tapis. Ouah, non, je peux pas payer 6 et 7, c'est trop weak. Par contre, là, je peux faire un petit move intéressant. Histoire de débusquer le chaland s'il y en a un qui veut mettre tapis. Et d'avoir l'initiative, sinon. Voilà, bon. Du coup là c'est plutôt cool pour moi. Là par contre je vais mettre tapis. Bah là le mec il me paye. Ah il a As-10. Oh merde la dame. Ah putain il me restait que la dame. Ah putain. On a été payé là paire de 8 par Dame Valet je crois. Et là bon bah il avait l'as. Il a bien trappé. Il m'a fait un petit piège. Il m'a fait un petit piège. Normalement, il doit me mettre tapis, là, il a 6 blindes. Presque 7. Ah, bon, si bien. Ah, il se couche. Putain. Voilà, évidemment, on est à tapis, hein, paire de 6. Dame 9. On prend. Roi 10. Je vais faire ma petite relance tout à l'heure. Le mec, il est à 7, 8 blindes. Un mec qui s'appelle virus du sida. Non, le mec s'appelle virus du sida 1. Sérieux quoi. Ah, il a 8 blindes. Ah, 8 blindes, 10-5. Normalement, c'est plutôt un fold qu'un limp. Mais bon, contre un joueur, ah, il met tapis. Là, je suis obligé de folder mon 5. À grand regret. Il a 9 blindes. Normalement, je devrais mettre tapis, mais bon, c'est tellement fort à perdre valet que. Il met tapis et là, valet 8. Il est vraiment crushed. Là, il est vraiment, vraiment crushed. Voilà, on a deux paires valet 6, kicker as. C'est bon, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Et là, 18, il me relance. Je vais quand même payer une street. Le problème, c'est qu'il me fallait un 7 ou un 9 pour pouvoir continuer. Voir éventuellement un 10 ou un 8. Mais là, c'est un peu relou. Je vais fold. Il m'a honné. Il m'a honné. Il m'a dominé. Je n'ai rien pu faire. Voilà, et le 9 ou l'as, ça me va dans les deux cas. Lui, ça lui va pas. Roi 8. Dame valet.
Putain, ça fold, hein. As-Valet. 3-8 en fold. Ah bah évidemment je fold mes boutons, mais j'ai que des merguez. 7 et 2, allez Patrick. Allez tapis, on paye, As-Valet, on est de loin devant. Ah, on est très loin devant maintenant, pas de pique, ouais c'est bon. Ouh. Je vais quand même faire un petit raise pour histoire de. Et là il me met tapis, donc voilà, donc virus du sida. On le sait maintenant, il plaisante pas. As-Valet, je vais check hein, du coup là, hein, j'ai pas tellement envie, j'ai pas de trèfle. Je veux protéger ma main en quelque sorte, garder un peu d'équité sur ces draws. Ok, j'ai peut-être même encore la meilleure main. Ah non, River il a touché. Putain, il avait Valet 6, j'avais As-Valet, il touche un 6 River, putain. Oh là là. Là, c'est la merde. C'est la merde qui prend l'homme. Nanana, c'est la merde. C'est la merde qui prend l'homme. Putain, c'est la merde. J'avais As-Dame, all-in pré-flop contre paire de rois. Évidemment, je n'ai pas touché mon As. C'est vraiment trop la merde sur ces tables de Poker Stars. C'est vraiment trop la merde, putain de bordel. Je n'arrive pas à décoller, je ne fais que broquer. Ma bankroll disparaît au fil de toutes mes games. J'ai beau me harceler, me démener, essayer de gagner, je n'y arrive pas jamais. Je me fais badbiter. Ah putain, si seulement un petit 10 pouvait tomber, même une dame ou un valet, bordel de merde. Ah là 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 là. Putain, de coup, je suis sûr que préflop, je devais être devant. Putain! Là, on est mal, quoi. Ah là 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 là. Putain, on vient d'envoyer Valet 4 et d'être payé par paire de 6. Ah, oh, il touche son 6 direct. Ouais, bon, bah, voilà. C'est... la dure loi de... du poker. Ah, il s'est passé quoi avec ma paire de dames? Ils sont tous couchés. Dommage. Allez, paire de rois. Elle gagne, elle gagne, elle gagne. Ok. Waouh. C'est chiant, le focus qui change tout seul. Pourtant, c'est désactivé dans les options, l'auto-switch table. Mais quand la table se crée, ça switch dessus. C'est comme ça, c'est Poker Stars. On est pas mal, un 7 ou une dame et on a les notes. Enfin, on en est bien. Dave, du 22 000, mes couilles. 190. Je sais pas où c'est, hein, 22. Allez hop, tapis. Oh, cet overbet. Du genre, mon petit mignon. Toi aussi, t'as trouvé, il avait 8-10 comme moi et il a pas osé envoyer. Et il partagera pas, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. As-5 contre Dame 6 et Dame 6 touche. Putain, c'est sale. C'est sale, virus du sida, putain. C'est quoi ce pseudo? Non, mais c'est quoi ce pseudo, sérieux? Il a la charentonnaise. Et moi j'ai As-7, je préfère As-7. Allez vas-y! Ouais. Il me relance. Je vais lui mettre tapis parce que j'ai un tirage quinte ventral et j'ai quand même la top paire. Voilà, il a voulu faire le malin. Il avait peut-être un As, mais en tout cas, il a voulu faire le malin, le mec. Avec moi, tu fais pas le malin. Je te le dis tout net. Je te le dis tout net, ma petite chat! Avec moi, tu fais pas le malin. Ouais, je mets tapis, là. Voilà. Allez, vas-y. Ah, il a... Merde, ça, c'est pas cool, par contre. Le 10. Voilà, le 10, tout de suite.
Et en plus, je fais une méga quinte. 6, 7, 8, 9, 10 valets. La quinte à 7 cartes, messieurs. S'il vous plaît, sous vos yeux ébahis, la quinte à 7 cartes. 6, 7, 8, 9, 10 valets. Dame, pardon. C'est la méga... Il y a l'hyper quinte, hein, la quinte à 3, à 6 cartes. Et il y a la méga quinte, la quinte à 7 cartes. Celle-là, s'il vous plaît, vous ne la voyez pas tous les jours. Hein. Je vous le dis tout net. Bah là, je vais check parce que s'il met tapis, je l'ai dans le cul. Donc... oh putain. Est-ce qu'il peut avoir 6 et 2? 6 et 3? Ah, il avait le 5, hein. Ouais, il était bien. Bah, il a fait une belle petite value, hein, mine de rien. Il a pris 120 de plus. Mais bon, j'avais besoin de savoir, hein. Je suis curieux, hein. Je suis curieux. Après, il y avait des mains contre lesquelles je pouvais gagner. Voilà, le 5 qui double, c'est pas top. Je vais quand même payer. Voilà, j'ai gagné. Ah, j'ai gagné le coup, mais j'ai payé hauteur roi et ça a gagné. Il s'est dit, tiens, il a checké, je vais peut-être miser. C'est pas con, hein, dans l'absolu, parce que... Ah, c'est pas cool, je vais check. Voilà. Je check. Évidemment, j'ai les notes. Voilà. Bon, bah là, tapis, hein, de toute façon. Ah, il avait le 10 aussi, mais comment il peut avoir le 10? J'en ai deux dans la main. C'est vraiment sale. Il a 10 blindes, 11 blindes. C'est un peu relou là. Ah ouais, c'est un peu relou. Ouais. De paire. Full. Ah merde. Et là, il donc bête. Tiens, ça fait chier parce que là, je suis vraiment backdoor. Hein, je peux pas. Ouais, allez, vas-y, tapis. Il est trop petit là. Il a 8 blindes. Ah merde, ouais, il a un as. Ça, c'est toujours au moment où tu te décides à envoyer que le mec sort du jeu, quoi. Fin du jeu. En tout cas, ça a tenu. Oh, il m'a fait peur avec son roi dame, le virus du sida, là. Oh là là. Pff, non, c'est bon. Parce que roi dame, contrairement à as-dame, il était crushed. Il was crushed. Putain, si seulement on pouvait avoir autre chose que des x2, de temps en temps, ça serait pas mal, quoi. Et donc, là, il se rebelle, hein, le mec, hein, le ace. On est pas mal, là, je check. Ouais, on a la quinte. Je vais juste payer. Oh putain, on a une quinte de ouf. Il n'y a que 7 et 10 qui nous bat et les piques. Et il m'avait pas cru. Il avait 18. Ah, du coup, j'aurais peut-être pu lui prendre plus. Mais bon, il aurait peut-être eu peur du 7. Je sais pas. Oh là là. Ah, il met tapis. Ah, il a 13 blindes, on a un as. On est bien sûr, on paye. On est devant, on est loin devant. Là, on est très loin devant. On est moins devant. Enfin, on est toujours devant, mais moins. Ok. Voilà, on va miser, je pense. Voilà. Ça passe ou ça casse, en tout cas. Si t'es pas sur des petites cartes, ça te fait chier de payer avec rien, quoi. Non, là, je pense que ça vaut pas le coup de s'engager avec 5 et 4, là. C'est backdoor pique et backdoor quinte. Oula, oula, oula. Le mec, il met 50. Voilà, de toute façon, il sait qu'on va mettre tapis, hein. Non. Bah non, on va remettre que 140 du coup. Il va fold, c'est dommage.
Ouais, c'est dommage. Que du x2. Ouais, 4 et 8, j'ai décidé de le fold. Je vais pas jouer toutes mes petites blindes contre les grosses blindes, c'est un peu relou. Dur, là très très dur. Très 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 dur parce que là on ne gagne pas contre grand chose. Par paire de 3, paire de 4. Encore il y a les cœurs qui font chier. Et là il pourrait avoir du très 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 lourd même si double check. Ma main n'est pas assez forte pour pouvoir faire une mise au turn donc. Maintenant les valets font la quinte, les 6 font la quinte. Enfin là voilà c'est festival donc. Ah ouais. Et il avait le valet de cœur en plus. Donc il jouait la dame, les 9, les cœurs, les rois, les valets. C'était un peu chaud. Je trouve que j'étais devant temporairement sur le coup, mais. Bon bah là, c'est parti, hein, de toute façon. Ah non! Bon, le 8 pour le partage ou le 5 ou le 7. Le 8 pour le partage. Deux paires à suite, qui cœur dame. Putain, ça fait chier ça. Blinde contre blinde, deux entre guillemets beaux as. Enfin, le sien plus beau que le mien, ça c'est sûr. Largement plus beau même, mais bon. Nonetheless, that was an ace. J'aurais bien aimé qu'il me paye là, j'ai peut-être misé un peu trop vite et trop fort. Pour moi, il est sur rien là, hein. Donc pour moi, ma hauteur roi gagne. Ah putain. Là, je me suis trompé, il était sur deux paires, moi j'avais tirage quinte. Le 7 serait pas mal, le 10 serait correct. Le 7 puis le 10, c'est honnête. Là, la dame, évidemment. La dame, c'est quand même cool. Après, il a pas grand-chose derrière, le mec. Bon, ok, il se couche. Je sais pas trop avec quel. Comment il fait pour se permettre de payer avec une cible. Alors, on est devant, on est devant, on est devant. On est toujours devant pour le moment. On est bien devant, toujours devant. Et notre kicker rentre. Paire de rois, kicker, As-9, donc c'est cool. Dame-7, on est obligé, il a 6 blindes. Même s'il a Roi-9, on est obligé. Voilà, maintenant qu'il a touché son Roi-9, c'est un peu relou. Voilà, on peut toujours toucher une dame. Hein. Mais après, ouais, contre un mec serré, tu peux te dire que tu vas folder certaines mains en te disant, de toute façon, tu vas récupérer l'équité. Post-flop, etc. Mais bon, là j'ai foldé mon 3, hein, on est d'accord. Je pense que vous en conviendrez qu'il fallait folder. Voilà, bon, il est un peu excité le garçon. On touche notre 2, j'allais dire je vais check, mais là, je vais quand même payer. Là je vais relancer. Et là je mets tapis. Ah oui, c'est évident qu'il fold. Il a clairement pas la couleur et la couleur qui rentre. Enfin bon bref. Là on a la ventrale mais j'ai quand même misé histoire de filtrer un petit peu là, tout ce bazar. Là il met tapis, on se couche. On a la double ventrale. On veut un 9 ou un roi. Du coup là on va miser. Putain, ils sont deux à payer, hein. Là, normalement, je mets tapis. Hein. Et là, on a tirage quinte par les deux bouts. Ah, il a un bloqueur, merde. Il nous faut un 3 ou un 8. Et ça a passé. Hein. Il est passé le bluff. Hein. Il est passé le bluff. En ayant pioché à Bibi et à Bobo. Ok, il a doublé. Il a doublé. Il avait roi 3. C'est dommage parce qu'il avait le bloqueur. Il nous fallait le 3 ou le 8.
Roi valet de cœur contre roi valet pas de cœur. Et c'est le roi valet de cœur qui a gagné. Eh ben c'est cool. Allez, l'autre il est tout petit là. Ah, la main d'avant j'ai pris. Ah, oh, la quinte. La quinte, papa. J'avais même un tirage couleur. Cool. Ouais, il était petit, hein, entre guillemets. Allez, As-9. Coin flip. Pour le moment, c'est mal barré. Ah là là, c'est dommage, le valet aurait permis de partager en fait. Ça aurait été assez fun. Enfin, lui, il aurait trouvé ça moins fun que moi, mais. Dans l'absolu, j'aurais quand même trouvé ça fun. Il me paye. Non, là, je vais check. Je check parce qu'il y a trop de mains avec lesquelles il peut continuer à me payer. Et là, voilà. Là, il envoie un petit péchon. Il m'envoie un petit péchon dans le mignon. Et ben, on va folder, hein. Voilà, on a deux tiers des jetons du tournoi, tout simplement. Ni plus ni moins. Voilà, deux tiers. 33,33. 66,66666666%. Et pourtant, ça tombe juste. C'est fou. Voilà, il a peut-être un 6 ou un truc comme ça. Non. Il n'a pas eu le courage de ses convictions. Il n'est pas encore tout à fait au top. Voilà, il va mettre tapis. Oh, j'ai eu peur. Pff, ça m'aurait fait chier, quoi. Bon, là, on va payer une street quand même. Bon, là, on a la quinte, donc on va miser. Après, s'il me sort un full avec Dame Valet. Paire de 10. Normalement, paire de 10, je suis censé mettre tapis. Il a 13 blindes, il a 14 blindes. Je devrais pas lui laisser toucher des flops, mais c'est pas grave. Bah, allez. Ah, il a la dame. En plus, ça a tirage couleur. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est. Je devrais pas. En fait, 13 blindes, paire de 10, tu mets tapis. Et voilà. Et t'essayes pas d'extraire de la value post-flop. Après, tu vas te dire, ouais, il te relance. T'as mis 60 au lieu de mettre. Enfin, t'as mis 90, tu vas mettre 60. Déjà, tu mets 60, tu te relances. T'as déjà plus une idée. Mais t'as pas envie de folder ta paire de 10, en fait. T'as jamais envie de la folder. Sur un board où il n'y a que une over et un tirage couleur. Parce qu'il va être. Enfin, normalement, il est jamais. Enfin, il est quasiment jamais à la fois sur le tirage couleur et sur la top paire. Normalement, il faut choisir. Il se trouve que là, le mec, il était sur les deux. Bon. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ben, il y en a que. En gros, il y a une combo. Hein. Ces dames assorties, il n'y en a qu'une. Hein, de combo de. Donc bon. Ah putain, il fait même de la value avec As-Valet sur ma hauteur roi. Fait chier quoi. Ah c'est cher, c'est cher. Je suis dominé, je paye. Je suis dominé, je paye. Je tiens pas là. Le mec, il est. J'ai les cœurs. Ouais. Les cœurs, les rois, les 10. Ouais, non, là. Là, ça allait pas. Ça allait pas. C'est dommage, hein. Elle était presque gagnée. Hein. Enfin, c'est comme ça. Ouais. Ouais, c'est la merde. C'est la merde. Alors on s'engage dans des coups un peu bizarres. Putain, on est sur une ventrale. Il est peut-être sur une paire, sur deux overs. C'est Berthe. Je pense que j'ai un edge supérieur. Putain, je pense que c'est. Ça serait dommage de payer avec 7 et 8, quoi. Ouais. On prenait, mais. C'était quand même. C'était quand même ultra gamblish quoi. Hein. Fallait se dire, ils sont tous les deux avec R. Que ton 7 et ton 8 ils jouent. Donc le mec a pas une overpair. Et que tu joues ton 5. Bon, ça, tu joues ton 5 normalement. Mais bon. Bah, fait chier quoi.
après, ouais, au final, c'est un good fold au final quand même, je pense. J'ai 400 à mettre dans 300. Enfin, j'ai 300 à mettre dans 400. Je sais même pas si le mec, il va être. Je vais être payé une fois ou pas. Si derrière, je suis payé, si je compte deux adversaires, c'est chaud quand même. Sachant que si l'autre il paye, en général, il a les nuts. Putain, j'aime pas ces mecs-là qui donc bêtent tout le temps, là. Ouais, je check sur les piques parce que les piques m'arrangent pas trop en fait. Enfin. Je vais mettre 130. Ça passe. Putain, le 5 qui donne rentre la quinte là, mais il m'en fallait un 5. Putain. Check. Bon, c'est quoi cette mise avec un valet, quoi? Ah, et là, il met 120 derrière. Ouais, bon, ok. Paire de 8, on est à tapis. Allez, 120 jetons gratos. Ouais. Putain, mais c'est quoi? C'est... Je vais quand même relancer à 60. Juste parce que... Ouais, il a 11 blindes, là. Je vais pas me faire avoir. Je me suis fait baiser trop de fois, là, à vouloir... Putain, c'est relou. Franchement, c'est super méga relou, quoi. C'est dur, hein. Ah, c'est méga dur. Va falloir chatter là. Je joue hors position des mains que je devrais pas me permettre de jouer hors position, mais. Je tourne autour du 8. Ah putain. Je touche rien. J'ai 6 blindes là. Putain, j'ai 6 blindes. Ah non, j'ai 8 blindes. Ok, on est bien devant là quand même. On est très loin. Ouais, faudrait pas qu'il y ait un 10, putain, ouf. Bah, valet 6, 8 blindes. Allez, c'est parti. Dame 2. Bah. J'aurais pas payé ces trucs-là hors position. Dix-cinq, allez hop, c'est parti. Ah la vache, il a la couleur. Oh, bah écoute. Ok. Il s'est dit qu'il y avait matière à me bluffer. Bon, bah écoute. Et on espère que celle-là elle passe. Oh, il est loin derrière, là. Il est loin derrière. Oh, putain. C'est dur, c'est super dur. Psychologiquement, là, c'est un peu raide. C'est un peu raide. As-Dame assorti contre Dame-Valet off. Ah non! Oh, merde.
Ouais, bon. Il avait un as, ça a tenu, bah tant mieux pour lui. T'es carrément mieux avec roi 9 contre as 5 qu'avec dame valet contre as valet, hein. Contre as dame. Hein. C'est juste que dans un cas il y a un mec qui a de la chatte et dans l'autre c'est moi qui ai pas de chatte quoi. Enfin dans les deux cas je perds en fait. Ouais, voilà, c'est un coin flip. Je me serais battu comme un diable. Franchement, je me serais battu comme un diable. Je me serais battu jusqu'au bout. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.